Sanya jukere suke Yesu kie jakata jola. Oh, kazama signori. Sanya jukere suke Yesu kie jakata jola. Oh, kazama signori. Atemita ulomume manije wan. Winge. Atemita ulomume manije wan. Atemita ulomume manije wan. Winge. Atemita ulomume manije wan. Sanya. La koine sum di buto moli. Jao mabura fura katolito. Voilà, chère population du département de Bignona, Djegoun Info s'est rendu au village de Djanki, invité par les populations pour pouvoir en tout cas voir les travaux qui se déroulent dans leur vallée. Une initiative de toute la population, accompagnée par Madame le ministre du Commerce et des PME, Assom Diatta. Nous reviendrons pour pouvoir écouter les propos des responsables locaux dans cette initiative. Mamadou Lamine Koli, proviseur du lycée de Djegoun, natif du village de Djanki. Dans le cadre d'une idée qui avait été défendue par Madame le ministre Assom Aminata Diatta pour relancer l'agriculture dans la zone de Bouffe. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons négocié avec les propriétaires des terres de Djanki pour obtenir cet espace qui fait 25 hectares. Et donc le projet consiste à participer de manière significative à l'autosuffisance alimentaire en riz, comme l'a préconisé M. le Président de la République. Et donc cela nous a aussi été édicté par Madame le ministre qui avait lancé lors d'un entretien qui voudrait que les gens, les jeunes, nous autres, nous lancions dans cette idée du président de la République qui consiste à travailler pour participer à l'autosuffisance alimentaire, notamment dans la zone de Bouffe, qui, comme vous le savez tous, était un grenier dans le domaine des greniers du Sénégal. Mais avec la sécheresse et avec aussi l'exode, ce terme est en train d'être oublié. Aujourd'hui, il est vraiment honteux et parfois étonnant de voir que tout le monde maintenant mange du riz exporté. Et quand vous voyez lors de la distribution de riz dans les communes, donc vous voyez comment les gens de Bouffe, qui il y a un peu plus de 20 ans ne faisaient pas ça, s'arrachaient les sacs de riz, donc faisaient des colombes de riz. Donc c'est vraiment étonnant. Et donc je pense que le projet de Madame le ministre Assom Diatta, donc il est en son heure et je pense qu'il est plus qu'urgent, il est plus que temps que les gens vraiment retournent à la terre. Et je pense que le contexte du coronavirus dans lequel qui a poussé beaucoup de jeunes à rester dans les villages, à ne pas faire d'autres activités, c'est un contexte qui est favorable. Donc nous pouvons mobiliser les jeunes, mobiliser les associations autour de ce concept pour essayer de contribuer de manière significative. Donc c'est nous-mêmes qui devons prendre en charge les problèmes. Pour changer les choses aujourd'hui, il n'est plus possible de faire comme avant. Aujourd'hui, tous les peuples sont fatigués. Donc je pense que les crises comme la crise de la COVID-19 est là pour faire changer les mentalités. On doit pouvoir se ressaisir et vraiment participer de manière active au développement économique et au développement social. Donc vraiment, c'est moi que j'ai envie de lancer en termes d'introduction. Voilà, donc c'est le proviseur du lycée Daoudalan Kamara Sané de Djegoun, natif de Djanki, qui a eu à quand même donner quelques informations par rapport à ce projet. Nous allons maintenant remettre la parole à l'inspecteur des sports au niveau régional qui est à ses côtés. Voilà, Karesomblan Senakoli, c'est juste bien Kalan qui mon jeune frère en français.
de manalo buña biiget idée yati madame le ministre adiolomi parce que toujours di wa fola il a orienté elle a orienté politique et ola di le développement orane politique ola développement donc di développement adi kay ker bu le mati Casamance et ranoli autant qu'on connaissait Casamance que mi grigné c'est-à-dire que mi endaye combattre yati sinamasu au Sénégal mais ñame kan kan caresse barbaré parce que ko djaba bi tabu woni ritel ñi bu rutale kam mu wañal e na dal bul mumi e roné ko ngaral exemple e manu lu jow ngess e nday wala yanu ko ñabe papa e manu jow keng kat sentamasu manu keng mi ko ku senu di e mais en fait c'est pas nous ouli e ngess ouli esuké parce que ouli nous sommes des facilitateurs juste c'est pour accompagner la politique de madame Brice c'est-à-dire la politique présente. Donc manou ngess manou commencer et ko bañ le ticket mo remé même les gosses sont même les femmes tout le village est impliqué et nan bammi madame le ministre nanoli meul c'est vrai di kankan mais sango et il faut que man les villages cette boulouf si kant si rok et il faut les villages cette boulouf si rok c'est pas meul la di mo la jone autorisation alimentaire adjanki ban les badj kar kayr tiak les badj kanyo les badj yekou il faut man ne sa mambul tout quoi do la semaine suivante on a interpellé les représentants dans quatre villages diko jour le même jour diko kan favorable donc chaque village e badj parcelle dañ wolé wagn comme janki comme kar tiak tiobo no tiokessil diko jusqu'à afignam et de l'autre côté c'est la même chose voilà donc c'est presque une révolution et vraiment là on félicite madame le ministre parce que Inge personnellement il du court c'est pas pour comparer mais bu que banakomi l'orientation politique en akomi il du court yo de Casamance il du court au Sénégal ouais donc c'est là politique am kana ko mammi il y a politique yate mais la politique du développement yo kana ko mi yo. Et je crois que ça va faire tâche d'huile. M.T. Mandiat, chaque village, on a notre objectif. Tu sais, les rizières constituent une ceinture du village de Dianki. Et nous, notre objectif, c'est faire de toute la ceinture, quelqu'un me dira que c'est un rêve, mais c'est un rêve positif quand même. On va exploiter toute la ceinture de Dianki, pas cette année, c'est Ouli qui a essayé. Mais à la longue, notre objectif, c'est faire toute la ceinture de Ndé, Rizikol de Dianki, une vallée. Et ce sera la vallée la plus grande vallée en Casamance. Et c'est ce que nous souhaitons. Et Mokami, vraiment, on remercie madame la ministre et on est là vraiment pour accompagner ça. Voilà, Djone, la vallée là est quand combien d'hectares? Oui, c'est 25 hectares et demi. Voilà, d'accord.